J'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver, pas au sous du lit, mais pas loin, en ce jeudi 28 octobre, 7h47, pour entamer ce que j'espère être un petit vlog d'Halloween. Et cette fois, j'insiste vraiment sur le mot « petit », parce que le dernier vlog que j'ai mis en ligne dure 1h07, alors que j'avais réellement eu pour ambition de faire une reprise toute douce, assez rapide, d'une trentaine de minutes environ. Et les choses ne se sont pas exactement déroulées comme je l'entendais. Donc on va essayer de ne pas répéter cette erreur. Et je vous propose d'ouvrir le bal des réjouissances avec l'une des deux lectures spéciales Halloween que je me suis procurée cette année et que j'ai attaquée hier soir en rentrant d'un dîner chez une amie que je n'avais pas vue depuis un petit moment, qui m'a préparé un curry maison avec des légumes. C'était réconfortant, douillet, à souhait, on a passé un excellent moment en parlant de BTS, donc rien de bien fantomatique là-dedans. Par contre, en rentrant, je me suis donc lancée dans The Taking of Jake Livingstone, qui est écrit par Ryan Douglas. C'est un livre en VO que j'ai repéré, sincèrement, je ne sais plus du tout de quelle manière. Par contre, la couverture a piqué ma curiosité et le pitch semblait terriblement prometteur, puisque on va suivre Jake, qui est un ado de 17 ans, qui a la capacité et le don un peu maudit de voir les morts, et en fait plus particulièrement d'être témoin des morts qui sont coincés dans une boucle temporelle et contraints d'années à revivre perpétuellement leur mort. Donc en général, c'est plutôt des personnes qui ont disparu tragiquement, et le roman s'ouvre sur une scène plutôt marquante, puisque Jake est en cours de sport en train de courir et il voit le fantôme d'un ado qui est mort parce qu'il s'est pris un javelot en pleine tête. Je ne sais plus exactement à quelle époque, mais voilà, ça a été assez douloureux et terrible comme disparition, comme mort brutale. Et du coup, Jake est le seul à le voir perpétuellement, comme ça, se retourner toujours avec le même effroi, la même surprise et le javelot qui tombe. Et en gros, ce jeune homme qui est l'un des seuls élèves étudiants noirs de son lycée est pas très bien intégré, ça se passe pas merveilleusement bien avec ses camarades, avec son entourage. Et pour ne rien arranger, son lycée a été la scène d'un crime assez sordide, puisque un adolescent qui s'appelait Sawyer a descendu plusieurs élèves à l'époque à l'arme à feu. Et il s'est ensuite donné la mort, je crois. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'un des gros faits divers du quartier. Et un jour, en rentrant chez lui, Jake va voir les initiales de Sawyer écrites en lettres de sang dans sa maison. Et de là, va commencer à découler quelque chose d'un petit peu creepy. Donc, vous le voyez peut-être pas, mais je l'ai attaqué, j'ai lu une cinquantaine de pages. Et pour l'instant, je suis pas forcément très convaincue, parce que là où je voulais un récit très fantomatique, où on allait voir constamment des fantômes, où on allait revivre ces morts un peu horribles, un peu absurdes, et je sais pas pourquoi, je m'attendais à une tonalité qui serait à la fois effrayante et un peu humoristique. Et sincèrement, là on a juste de l'effrayant un peu désespéré. Et je sais pas, je trouve que ça prend un petit peu son temps. Il y a quand même des scènes qui sont visuellement impactantes, hein, je dis pas le contraire. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait autre chose pour... J'ai envie qu'en fait ce roman passe la seconde et on en est à 50 pages, qui représentent déjà presque le premier quart, et il se passe pas moult choses. Par contre, l'intérêt de cette lecture auquel je m'attendais pas, c'est qu'on a une narration croisée entre le point de vue de Jake et des entrées dans le journal intime de Sawyer, à l'époque du coup où sa mère l'oblige à aller voir un psy qui lui demande d'écrire dans son journal pour pouvoir ajuster le contenu des séances. Et je peux pas vous en dire bien plus parce que je n'ai pas avancé bien plus loin que ça. Mais en tout cas, ça va être, je pense, l'une des lectures qui ponctuera ce vlog. Mais comme je ne suis pas ambiancée à fond, j'ai pas envie de lire ça ce matin au petit-déj. Et je vais me lancer plutôt dans un graphique qui me semble être tout à fait de saison. Il s'agit de Amelia Woods, le premier tome, qui est publié aux éditions Glénat dans leur collection Vent d'Ouest. Et tout ce que je sais, c'est que c'est une jeune femme qui vit un deuil, je crois que sa mère est décédée, qu'elle va retourner dans la maison familiale, et des choses un petit peu étonnantes vont se passer. Et j'ai été sincèrement totalement charmée par le dessin. Je l'ai ouvert, j'ai feuilleté quelques pages, je suis tombée sur des planches avec une immense bibliothèque et des ossements de dinosaures. Enfin bon, bref, j'ai vu ça, j'ai dit ok, tu viens dans mon panier. En plus, il était d'occasion chez Gibert. J'ai pas trop hésité, donc je pense que ça va être ma lecture de
ce matin. Donc on aura l'occasion d'en reparler et sur ces bonnes paroles, je vais filer, manger et siroter mon thé à la châtaigne. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. Hey, je vous récupère 9h30, donc je ne suis pas tout à fait en avance, hein, parce que je dois télétravailler. Normalement, je commence à 9h30 pile, donc je suis toujours en pyjama, voilà. Mais j'ai terminé Amelia Woods et j'en ai profité pour passer un petit temps tranquille avec la télé en mode cheminée, un thé à la châtaigne, et juste ouais, profiter un peu de ma matinée. Donc ça fait du bien aussi de temps en temps de prendre quelques chemins de traverse, et c'est pas à 5 minutes près que le monde du travail va s'effondrer. Donc je vous disais, j'ai terminé Amelia Woods, le premier tome, et niveau résumé, j'étais pas tout à fait dans les clous tout à l'heure, puisque effectivement on parle bien d'une jeune fille au 19e siècle qui vient de perdre sa mère, qui est en plein deuil effectivement. Par contre, là où je disais qu'elle retournait dans le manoir familial, c'est pas tout à fait ça, puisqu'en gros elle veut reprendre ses études universitaires en biologie, et pour ce faire elle a besoin de produire une sorte de mémoire, un travail préparatoire sur les oiseaux migrateurs, puisque si j'ai bien compris, elle se spécialise en biologie marine, en ornithologie, ce genre de choses. Donc elle va partir sur la côte pour étudier la faune et la flore bien spécifique d'un coin du pays, et elle va donc réserver une place dans une pension au bord de mer. Qui est tenue par une femme qui s'appelle Lady Aim, et ça va être l'histoire de son séjour avec toute une pincée de magie, puisque d'étranges rêves vont commencer à l'envahir, d'autant que la faune et la flore ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être à cette époque de l'année. Tout est moribond, tout est envahi par les algues. Bref, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu noir et de pesant qui flotte, qui plane, qui menace un petit peu toute la région. Et on va commencer doucement à en apprendre davantage sur les différents protagonistes. Alors, c'est un tome assez introductif, et globalement c'était très bien, puisque on a une ambiance parfaite pour Halloween. On a une histoire de malédiction, on a des scènes un petit peu effrayantes, ça fonctionne assez bien. Par contre, on retrouve encore une fois cet écueil auquel les bandes dessinées jeunesse échappent rarement, c'est que ça va trop vite. On a moins de 60 pages à chaque fois, et il faut boucler les scènes d'action, et il faut donner envie au lecteur de se plonger davantage dans l'histoire, dans la narration. Mais le problème, c'est que tout est un petit peu trop expédié. C'est trop rapide, on va trop vite. Et donc, on perd en profondeur, on perd en crédibilité, on perd en capacité de s'attacher aux personnages, de croire en leurs liens. Donc en fait, c'est très mauvais pour la dimension vraisemblable ou l'attachement du lecteur à l'univers, à l'ambiance. En gros, il y a de très bonnes idées, visuellement c'est magnifique, que ce soit la couleur, le dessin, la notion de mouvement, j'ai beaucoup apprécié, mais perfectible. Donc en gros, si vous cherchez une histoire avec de la magie, avec aussi une pointe de féminisme, parce que en gros, toute fin du 19e siècle, avec une femme qui aspire à une vie universitaire, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, qui est très débrouillarde, cartésienne et rationnelle, on a une héroïne moderne pour son époque, qui n'est pas tout à fait d'accord quand on lui tapote gentiment sur la tête pour lui dire « Oh, mais quelle idée de vouloir faire des études, mieux vaut vous trouver un mari, puis vous n'êtes pas trop dégueulasse, ça devrait bien se passer. » Tout ce machisme et ce patriarcat ambiant l'énerve, elle le trouve puribond, elle le trouve vicié, daté, passé, et donc elle n'hésite pas quand même parfois à mettre les pieds dans le plat, et c'est assez savoureux. Donc, si on résume, il y a de bonnes idées, il y a un très bel univers graphique, mais c'est trop rapide. Voilà, donc Amelia Woods, je pense sincèrement que je lirai la suite parce que j'ai tout de même envie de savoir ce qu'il en est. Je peux pas vous dire, sinon je dévoile sincèrement l'intrigue, mais franchement je ne regrette pas de l'avoir lu à cette période halloweenesque, parce que
même si j'ai pas eu peur, je trouve tout de même qu'on a le frisson, on a un peu de glauquie. Donc très chouette lecture malgré tout. Pas des plus abouties, mais pas mauvaise non plus. Bon, et sur ces bonnes paroles, je vais aller prendre une douche express. Je vais embarquer mon thé, ma théière pour commencer à télétravailler. Et je vous reprendrai plus tard pour continuer cette petite ambiance Halloween. Ciao, ciao! If we be right in the same wave, all the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. So nothing compares to this, nothing ever will compare to this. You and I making fire, I can take ya. Je vous récupère le temps d'une petite pause, d'une respiration dans ma matinée de boulot. Il est quoi ? Il est 11h05 et visiblement cette semaine d'Halloween n'est pas seulement synonyme de frissons gluants, glauques, avec des squelettes, des morts et des trucs qui vous collent la pétoche parce que potentiellement ils peuvent vous tuer. Apparemment pour moi ça rime aussi avec tâches de boulot qui flottaient comme ça dans un coin de mon horizon. Je savais très bien qu'il allait falloir que je me jette à l'eau. Mais comme ça me fait sortir de ma zone de confort et de ce pourquoi j'ai l'habitude de bosser, je repoussais un petit peu en me disant « Oh là là, ça va être la cata, oh là là, c'est un truc qui me paraît un peu insurmontable. » Et c'est en gros en lien avec un projet dont je m'occupe au boulot, dont je peux pas encore vous parler vraiment clairement dans le détail en vous expliquant ce que c'est, parce que pour l'instant ça reste confidentiel, ce sera annoncé dans les mois à venir, je pense. Et en gros, quand même, pour vous donner une petite idée générale du truc, il y a quelques temps, et ça remonte quasiment à... Ouais, ça remonte à bien un an, puisque c'était pendant le confinement, ma collègue et moi avons repéré un manga qui nous a tout de suite enthousiasmés, qui nous a beaucoup plu, et on s'est dit, ok, potentiellement, on a vu d'annonce nulle part, c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir proposer au public français. Parlons-en à notre chef. Donc on est allé voir notre chef, on lui a dit écoute, on a repéré ça, on est hyper enthousiaste, voilà nos arguments d'un point de vue commercial, ça pourrait faire ça, 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 ça. Donc on lui a pitché un petit peu le projet en quelques mots, et à la fin de cette entrevue on lui a dit est-ce que tu pourrais s'il te plaît contacter les ayants droit pour voir si ce titre est toujours dispo pour le marché français ou pas. Il nous a dit ok, je vais contacter les ayants droit, l'agent qui se charge de ce truc là. Ça a pris un peu de temps et puis le verdict est tombé. Les droits pour la France étaient toujours disponibles, donc ça veut dire qu'on pouvait potentiellement se positionner pour faire une offre pour peut-être devenir les éditeurs français de ce truc-là. Donc autant vous dire qu'arrivé à ce niveau-là, on était joie, bonheur. Donc notre chef nous a dit, bah vous savez quoi, vous avez qu'à pitcher ce projet, cette série, ce manga à l'un ou l'une de nos éditeurices manga de la boîte. Et on verra ce qui se passe. Bien évidemment, il fallait pas nous le dire deux fois, on a préparé notre petite présentation et on l'a soumis à un éditeur en particulier, puisqu'on savait que c'était sensiblement ce qu'il aime. Ça fait partie des univers dont il est friand, donc potentiellement ça pouvait matcher, et effectivement ça a été le cas puisqu'on a juste droppé le nom de la le créatrice, et tout de suite, là c'était ok, vendu, pas de problème, allez-y, je suis chaud, vous pouvez le mettre dans cette collection, pas de problème. Donc les choses ont fini par suivre leur cours, on a eu les droits, notre offre a été acceptée, on a fini par recevoir nos exemplaires en version originale de travail, le matériel sur notre serveur pour pouvoir commencer à bosser sur l'intérieur, sur la traduction, etc. Et ben là, ça a commencé doucement à se mettre en branle puisqu'on a fixé une date de sortie. À partir du moment où vous avez la date de sortie en édition, là vous pouvez commencer à bosser sur tout votre rétro-planning. Et pour un manga, il y a plusieurs dates clés, à savoir la sortie, le moment où il sera disponible en librairie, ça pour le coup, dans tout le secteur de l'édition, c'est pareil. Donc cette date de sortie va vous permettre de savoir à quel moment faudra envoyer vos fichiers chez l'imprimeur. Donc c'est des délais qui se calculent en fonction des prestataires, en fonction de plein de choses, voilà, c'est un peu une tambouille en interne. Et une fois que tout est bien calibré, mis en place, on sait jusqu'à quel point on a le temps de bosser sur le bouquin avant de devoir générer les PDF, envoyer chez l'imprimeur,
et là c'est fini. Donc en gros, on a cette date de remise imprimeur qui va nous permettre ensuite de décaler et de se dire bon bah il nous faut tant de temps pour corriger le bouquin en interne, pour le faire relire, pour ajuster les derniers détails, ok. Donc ensuite, vous avez votre date de relecture finale. Cette date de relecture finale va vous permettre de déterminer la date de remise de lettrage, c'est-à-dire à quel moment votre prestataire va devoir vous envoyer tout votre assemblage InDesign avec l'intérieur de votre bouquin qui est prêt, c'est-à-dire toutes les planches originales nettoyées, les onomatopées qui seront traduites directement sur l'image, et bien sûr le texte mis bien comme il faut dans les bulles. Bref, vous avez le fichier intérieur sur lequel vous allez pouvoir corriger qui est prêt. Donc ça aussi c'est une étape très importante de savoir à quel moment il vous faut ce lettrage dernier délai pour pouvoir corriger, passer derrière, etc. Bien sûr cette date de lettrage va vous permettre de refaire hop encore un bond bien en amont dans le temps pour savoir à quel moment vous allez avoir besoin de la traduction. Vous allez recevoir un fichier Word et un livre VO indexé, c'est-à-dire que le traducteur aura mis des chiffres et des lettres sur chaque bulle, sur chaque onomatopée, sur chaque élément de la page à traduire pour faire comme un index. Et en fait, dans son fichier Word, il va reprendre cette numérotation, cette indexation, pour y apposer du coup sa traduction afin que le lecteur qui va recevoir la version indexée et ce fichier Word puisse tout compacter, tout compiler sur InDesign pour mettre le bon texte qui correspond à la bonne bulle. Sinon, ce serait le bordel, il ne saurait pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc c'est vraiment une étape indispensable et pareil, ça demande des ajustements puisque vous ne pouvez pas demander une date de traduction au pif, sinon vous ne laissez pas assez de temps à votre lettreur pour pouvoir préparer correctement son fichier. Donc encore une fois, on remonte ensuite dans le rétro-planning et vous savez à quel moment vous devez préparer les visuels extérieurs pour les envoyer en validation aux ayants droit afin qu'ils puissent vous dire bah ok, cette jaquette on l'aime bien, ok cette couverture on l'aime bien, ce logo on le valide ou pas pour pouvoir faire des ajustements. Donc en fait il y a plein de dates, il y a plein d'étapes à prendre en compte dans l'édition et c'est là que les assistants éditos sont vraiment les plus indispensables et les plus utiles et c'est aussi là que j'ai dû apprendre à vraiment me positionner en tant que coordinatrice éditoriale, c'est-à-dire que je vous ai expliqué dans le dernier vlog qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, mais quand vous verrez ce vlog-là, il sera dispo depuis un moment, donc vous saurez de quoi je parle. C'est-à-dire que j'assure le remplacement de ma collègue qui est coordinatrice éditoriale, c'est-à-dire qui est en charge à la fois de coordonner, de recruter, de calibrer nos prestataires externes, mais aussi les membres de l'équipe, les process, bref, il y a plein de choses qui rentrent dans son domaine d'activité que des assistants éditos ne font pas forcément. Et dans mon cas de figure, j'ai dû prendre en main un planning pour pouvoir choisir tel prestataire pour telle série. Tel traducteur est très bon dans les univers magiques, donc je vais lui proposer telle nouveauté dans notre catalogue. Alors que celle-ci, elle a une sensibilité plutôt contemporain, plutôt shoujo, donc je peux tout à fait lui proposer telle chose. Bref, c'est un peu un chef d'orchestre et maître de casting, si vous voulez, un coordinateur éditorial. Et donc moi, j'ai eu pour mission bah, à la fois de proposer ce projet avec ma collègue, et maintenant j'ai un peu les mains dans le cambouis où je dois choisir les différents prestataires. Donc ce qui a été le plus facile à trouver, c'est la lettreuse, parce qu'on avait une idée très précise de qui on voulait, quelqu'un qui travaille très bien, avec qui ça se passe très bien. Et ensuite, à la base, on s'était dit, bah, peut-être qu'on va prendre en charge la traduction nous-mêmes. Sauf que on a des emplois du temps de ministre, que après tout c'est pas notre métier, et que pour donner vraiment le maximum de saveur et d'authenticité au texte, on s'est dit c'est pas le meilleur choix. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a cherché un peu sur internet et qu'on est tombé sur un traducteur qui coulait de source, donc on l'a contacté, bref, ça s'est mis en place. Et on en était à peu près là, sauf que bien évidemment, il fallait à un moment que je réfléchisse au produit, c'est-à-dire quel type de bouquin on allait proposer. Et assez rapidement, on est parti sur le principe d'une jaquette réversible, et là peut-être que vous ne savez pas ce qu'est une jaquette, ce qui n'est pas grave du tout. Donc je vais prendre un manga pour vous montrer. En gros, ce que moi j'appelle jaquette, c'est vraiment hop, cet élément-là qui est détachable, qui est juste rabattu sur la couverture d'un manga, mais on peut en retrouver des jaquettes sur des romans, aucun souci. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on voulait une jaquette réversible, c'est-à-dire que face A, un dessin, face B, qui est normalement blanche, un autre dessin. Et pour ce faire, il fallait qu'on ait du matériel et des illustrations possiblement utilisables, exploitables pour cette face B. Chose qu'on n'avait pas. Donc en fait, on a commencé à réfléchir à ce qu'on aimerait bien comme univers visuel à l'arrière de cette jaquette pour donner un peu un côté exclusif à l'œuvre, un côté un petit peu collector à cette version française.
Et du coup, il fallait faire un brief, réfléchir à ce qu'on voulait, quel budget on pouvait allouer aussi à ce projet-là, et le proposer aux auteurs, aux illustrateurs, aux agents. Et c'est là que c'était compliqué, c'est qu'en gros, il fallait que j'écrive un mail dans une langue étrangère pour expliquer clairement ce qu'on voulait, pourquoi on le voulait, comment on le voulait, quel budget on pouvait prévoir, proposer, etc. Et j'ai fait ça ce matin, enfin. J'ai tout rédigé bien comme il faut et je l'ai envoyé à l'agent, donc... Maintenant c'est parti dans les sphères de l'internet, mais ça paraît idiot, mais c'est un travail d'éditrice, puisque vraiment c'est gérer un titre de A à Z qu'on a proposé, qui va être ajouté au catalogue. Du coup, c'est pas exactement la même chose que mes missions en tant qu'assistante édito ou coordinatrice. Donc ça demandait un petit challenge supplémentaire qui n'était pas négligeable, donc je suis ravie d'avoir passé cette étape, je suis un peu émue et fière, si on va pas se mentir, et j'espère sincèrement que ben, ça va être accepté, que la dessinatrice aura le temps, que le budget conviendra, etc. Donc vraiment je suis impatiente et je suis sûre que cette série intéressera beaucoup de monde parmi vous, mais pour l'instant, tant que ça n'a pas été annoncé officiellement par la maison d'édition, je ne peux pas en parler, mais dès que ce sera le cas, vous en faites pas, je transmettrai l'info partout tellement j'ai hâte de voir se concrétiser ce projet qu'on porte depuis plus d'un an déjà. Et sur ces bonnes paroles, je m'en retourne travailler et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. Taking it slowly now, baby. If I take you round, taking it slowly now, baby. Est-ce que je viens encore de commander un puzzle sur le site de la dernière pièce? C'est fort probable. C'est fort probable, mais ne me jugez pas, il est très très chouette. C'est une scène de cuisine avec des animaux, avec plein de pots, d'assiettes, de vaisselle, de petits détails comme ça. Et c'est la même marque et le même éditeur de puzzle que celui que je vous ai montré dans le dernier vlog, donc le cabinet d'apothicaire, qui est maintenant épuisé. Hein. Pour le coup, je crois que les stocks ont été sauvagement dévalisés. Et je suis très très impatiente de recevoir cette nouvelle boîte pour pouvoir passer un petit moment tranquille. Et là maintenant je vais aller chercher à manger pour ce midi. Ça me permettra d'aller récupérer deux colis. J'ai fait une commande d'occasion Gibert avec un bouquin que j'ai oublié d'aller récupérer. Pareil, j'ai reçu un service presse dans un point relais qu'il faut que j'aille chercher. Et j'en profiterai aussi pour aller faire 2-3 courses au Monop du coin pour prendre de quoi faire une pumpkin pie, parce que j'ai bien envie de tenter ce week-end, donc je pense que samedi je vais m'essayer à la pumpkin pie, parce qu'on en voit partout en ce moment, et j'avoue que c'est une pâtisserie que je n'ai jamais mangée et que je n'ai jamais cuisinée, donc ce sera l'occasion de se faire à la fois un petit challenge culinaire et en même temps de découvrir un nouveau dessert, tout à fait dans le thème, donc on va faire ça. Et puis je pense aussi, mais peut-être pas aujourd'hui, mais dans la semaine, il va falloir que je passe chez Tang Frère pour aller chercher de la farine de riz gluant, parce que j'ai une collègue qui nous a fait un hawaïen, je sais plus quel est le nom, mais en gros c'est un gâteau à base de farine de riz gluant, et c'est, je pense, devenu l'un de mes 5 desserts préférés du monde. Donc je lui ai demandé la recette, et comme j'ai une crémaillère la semaine prochaine, je me dis que je tenterai bien de la réaliser à la maison, parce que si ça rend aussi bien qu'elle, il y a des chances que mes potes se régalent pendant la crémaillère, donc comme ça me permettra de ramener un petit quelque chose aussi à manger. Voilà, vous savez tout. Je file et puis je vous dis à plus tard. I guess the truth is I can't leave memories behind. She asked about you. Hesitate every time. Every time. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Hello, je vous récupère vendredi 29 octobre. Il est présentement 9h04. Et c'est assez difficile ce matin, parce que
Je suis allée me coucher pas trop tard, vous l'avez vu sans doute dans le vlog, j'ai pris un long bain pour me laver les cheveux, pour me détendre, et à la suite de ça, bah, j'ai passé une petite soirée tranquille, je suis allée me coucher, j'ai dormi 2 heures et après je me suis réveillée, et impossible de me rendormir, donc j'ai pas tellement lutté plus que ça, je suis restée 1 heure dans mon lit en me disant peut-être que ça va revenir. Ce n'est pas revenu, du coup bah, je me suis dirigée vers le salon, j'ai tiré le canapé en mode lit avec plein de plaids, plein d'oreillers, et je me suis mis le feu de cheminée, j'ai commencé à bouquiner, et ma foi, j'ai bien avancé. Le truc c'est que là, tel que vous me voyez, j'ai l'air encore à peu près d'équerre, parce que je pense que je suis encore dans l'énergie de la dernière chance, mais la journée de boulot va être va être compliquée. Mais écoutez, tant que j'ai la foi, j'en profite pour papoter un petit peu avec vous pour continuer ce vlog, d'autant que ce serait dommage de se priver parce que j'ai 2 lectures dont j'aimerais vous parler qui valent le détour, et la première, vous l'avez vu rapidement hier soir dans mon bain, puisqu'il s'agit de Sabrina l'apprentie sorcière. C'est donc la version scénarisée par Kelly Thompson. Là, ce que je vous montre, c'est la version traduite chez Glénat, mais j'ai aussi la version américaine depuis très longtemps dans ma pile à lire, et je préfère largement la VO puisque ce n'est pas du tout la même couverture, et que ce dessin, je n'aime pas du tout le chara-design, le trait du visage de Sabrina, mais ne vous y fiez pas parce que l'intérieur est vraiment beau. Alors là, pour le coup, j'ai été totalement conquise, et moi qui suis en manque de Grindel et de Zelda, Hilda, Sabrina, Harvey et tous les autres, bah, depuis l'arrêt de la série Netflix, je m'étais dit peut-être que cette année je vais tout me refaire, peut-être que je vais prendre le temps de revoir les 4 saisons, mais sans grande conviction parce que je me disais ça va être très chronophage, je vais y passer des heures, et puis il y a des passages, je crois que c'est la saison 3, que j'avais pas trop apprécié, puis c'est quand même assez perché, je connais tout, donc ça n'aurait pas eu la même saveur. Mais du coup, je me suis souvenue de l'existence de cette bande dessinée, je me suis dit quoi de mieux pour Halloween que des sorcières à Grindel dans une ambiance bien glauque et en même temps très réconfortante, parce que c'est vraiment la sensation que me transmettait la série The Chilling Adventures of Sabrina. C'est ce mélange des genres entre une série des années 90 un peu à la Charmed, avec parfois des effets spéciaux qui sont un peu nuls, des effets de caméra qui sont pas terribles, des images un peu vieillies, un peu datées, mais en même temps avec des personnages très attachant, qu'on aime suivre, qu'on aime retrouver, pour qui on se fait du souci, avec qui on est en totale empathie, le tout saupoudré quand même de petits frissons, d'une ambiance chaleureuse où il fait bon vivre, même s'il leur arrive beaucoup de catastrophes et qu'il y a des choses que j'ai pas spécialement envie de croiser dans ma vie de tous les jours. Donc je me suis dit allons-y, c'est parti, je me lance là-dedans, et je me suis régalée. En gros, la danse comics, on va suivre Sabrina qui vient de débarquer à Grindel avec ses tantes. Elle doit faire profil bas et elle a décidé de ne pas trop employer la magie. Sauf que dès son premier jour de cours, les catastrophes s'enchaînent, les petites déconvenues, et du coup, elle passe son temps à lancer des petits sorts possiblement sans conséquence, sauf qu'à un moment elle enchante la mauvaise personne et qu'elle se retrouve nez à nez avec un Wendigo, et de là va découler toute une enquête magique. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce comics, parce que on a Sabrina telle que je l'aime. On a ce savant mélange de frissons, de monstres, de trucs dégueux, avec des décors magnifiques dans lesquels on a envie de se rouler, qui sont beaux, la colorisation est folle, dingo, j'adore. L'impression de mouvement, les expressions faciales, l'attitude corporelle, bref, tout m'a plu dans cette bande dessinée. Je me suis régalée de bout en bout. Et en plus, il y avait la mention à suivre à la fin, donc je me suis précipitée sur internet pour regarder si effectivement quelque chose était dans les tuyaux ou pas. Et le tome 2 est sorti en anglais courant avril de cette année, donc j'ai bon espoir que l'année prochaine ce soit traduit en français. Mais peut-être bien qu'en attendant, je vais quand même craquer sur la version originale, parce que excellente lecture déjà en elle-même. Mais alors, je n'aurais pas pu mieux choisir mon timing pour Halloween. Comme ça. Dans le retour caméra, je me rends compte que vous ne voyez même pas que j'ai mis mon pyjama renard tout doudou, tout mignon, parce que je suis
enroulée dans mon plaid Edgar Allan Poe avec du coup une citation de ses nouvelles. Et je crois que vous les voyez pas vous, mais il y a des corbeaux aussi, puisque bah forcément qui dit Edgar Allan Poe dit corbeau. Donc je l'adore, je l'ai reçue dans la Haul Crate de septembre l'année dernière, qui était sans aucun doute ma favorite en termes de goodies, en termes de livres, puisque c'est l'un des seuls livres d'ailleurs de la Haul Crate que j'avais lu, qui était d'ailleurs une excellente lecture, parfaite pour Halloween. C'était Horrid de Katrina Leno, qui racontait l'histoire d'une mère et de sa fille qui, suite au décès du père, vont devoir retourner dans la maison familiale parce qu'elles n'ont plus trop les moyens de faire autrement, qu'en plus la grand-mère qui l'occupait est décédée également, et que pour y mettre bon ordre, et parce qu'elles n'ont pas vraiment autre part où aller, elles vont se diriger dans cette maison, sauf que très rapidement la jeune fille est persuadée que des choses un petit peu bizarres s'y passent, et dit comme ça on peut avoir l'impression que c'est une banale histoire de maison hantée, de résurgence, et le pitch paraît très convenu, et au demeurant c'est pas l'histoire la plus révolutionnaire du monde, je suis d'accord, il y a des ressorts qu'on connaît, qu'on a vu partout. Par contre, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est que on mettait en scène le syndrome de Pica. Et si vous n'en avez jamais entendu parler, le syndrome de Pica, en quelques mots, c'est très simple, c'est des gens qui sont frappés d'une forme d'anxiété et qui, pour se calmer, vont avaler des objets. Donc dans le cas du roman qui nous occupe là tout de suite maintenant, Jane, je crois que c'est le prénom de l'héroïne, mais ça fait plus d'un an que je l'ai lu, donc c'est pas sûr à 100%, arrache les pages de ses livres, en fait des petites boulettes et les mange, parce qu'il n'y a que ça qui la calme. Et cet aspect d'avoir un comportement compulsif, irrationnel, qui peut mettre sa santé en danger et qui est l'expression d'un trouble, à titre personnel, ça me déclenche des choses qui sont tout à fait appropriées pour un roman d'Halloween. Donc ma foi, ça peut être une sacrée piste si vous avez envie de vous coller la pétoche. Et ce syndrome de Pica, déjà en lui-même, est assez fascinant. J'avais fait quelques recherches du coup après, parce que c'est jamais nommé dans le bouquin. Mais comme cette habitude m'avait rappelé le film Swallow, qui mettait en scène une jeune femme qui venait tout juste de se marier et qui, une fois qu'elle apprend qu'elle est enceinte, va commencer à manger des petits objets de plus en plus gros, de plus en plus dangereux. Ça m'a quand même intriguée. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est pas juste un élément scénaristique, c'est une vraie pathologie. Donc j'ai regardé sur internet et effectivement, le syndrome de Pica, qui tire son nom de la pie, qui vole de façon compulsive des petits objets qu'elle met dans son bec. Voilà, tout découle de là, c'est l'étymologie, et apparemment c'est une maladie qui touche principalement les femmes enceintes et les enfants, parce que femmes enceintes, parce que la grossesse peut déclencher beaucoup de choses d'un point de vue psychologique, et les enfants parce que j'imagine que ça peut être l'une des seules façons pour eux de s'exprimer à un âge où ils n'ont peut-être pas toutes les clés, toutes les capacités sociales et émotionnelles pour gérer parfois des situations de stress ou de colère ou que sais-je, je veux pas trop m'avancer, mais voilà. Tout ça pour dire que c'était un roman que j'avais beaucoup aimé et on a digressé à partir de mon plaid. Toutes mes excuses, mais on va en revenir aux lectures d'Halloween de cette année, si vous me le permettez, puisque ben, ne dormons pas. Hier, j'ai mis de côté The Taking of Jake Livingstone parce que j'ai pas trop envie d'y retourner pour l'instant, donc c'est pas la peine que je me bloque sur une lecture. J'ai plein d'autres choses qui peuvent faire l'affaire. Et donc j'ai commencé Frisson au Mont Hemlock, qui est écrit par Catherine Arden et publié chez Pocket Jeunesse. C'est le deuxième tome de sa série sur les small places en anglais. Donc je sais pas comment est-ce que le titre de la série globale a été traduit en français. Mais en gros, c'est l'histoire d'un trio de personnages âgés de 11 ans à qui il va arriver une mésaventure magique dans chaque tome. Donc dans le premier opus, qui était Terreur à Smoke Hollow, on allait suivre Holly, Brian et Coco, trois enfants de la même école qui ne s'entendent pas particulièrement, et le point de départ de l'histoire, c'est que Holly a perdu sa maman, elle n'arrive pas à faire son deuil, elle n'arrive pas du coup à s'ouvrir aux autres. Elle n'est pas très agréable à suivre dans le premier volume parce que sa perte et son chagrin font d'elle quelqu'un auprès de qui on n'a pas envie de passer du temps. Elle est très en colère, elle est très froide, repoussante, elle a des mots durs, blessants, et elle s'isole tant qu'elle peut, et un jour elle va aller s'isoler au bord de la rivière dans un spot qu'elle aime bien, sauf qu'il y a déjà une femme qui est en train de vouloir jeter un bouquin à l'eau et elle a l'air terrifiée. Donc Holly attend que cette folle furieuse soit partie pour récupérer le fameux bouquin et elle commence à le feuilleter, et c'est une sombre histoire de personnes qui sourient dans la brume et de disparition, le tout dans une ferme, ça a l'air assez vieux, c'est un secret de famille, bref. C'est un récit dans lequel elle se plonge et qui est très hypnotique.
Et le souci, c'est que le lendemain de cette découverte, après avoir passé toute la nuit à éplucher ce bouquin très mystérieux, elle a une sortie de classe dans une ferme qui s'avère être celle mentionnée dans le livre qu'elle a trouvé. Et à partir de là, on met le pied dans le surnaturel et j'avais adoré, adoré, adoré cette histoire. J'avais trouvé ça bien mené, j'avais trouvé ça bien rythmé, inventif et vraiment flippant. Je me dis, c'est du middle grade, enfin vraiment c'est de la jeunesse jeunesse, les personnages ont 11 ans. Mais j'ai trouvé ça plus efficace dans la maîtrise du suspense et du frisson que certaines lectures horrifiques destinées à un public adulte qui me passent au-dessus, qui glissent sur moi comme la pluie sur le duvet d'un canard. Vraiment, ça passe au travers. Terror of Smoke Hollow, j'avais adoré. Et donc, Frisson, Homo, Hemlock, c'est le deuxième tome. On retrouve ce trio de personnages qui, cette fois, vont partir skier avec leurs parents. Sauf que quand ils arrivent au mont Hemlock, une tempête de neige s'abat, ils sont coincés dans cet hôtel qui est déserté parce que c'est un hôtel qui vient d'ouvrir, les autres clients n'ont pas pu arriver à temps à cause de la tempête de neige. Donc au début, ce qui peut paraître un petit peu sympa de se dire on va avoir toute la station rien que pour nous et l'hôtel rien que pour nous pour déambuler, etc., va très rapidement tourner au cauchemar puisque il y a une petite histoire de fantôme. Et je l'ai attaqué hier soir, et sans mentir, les premiers chapitres m'ont collé la pétoche. Je dis pas que j'étais en train de me faire des cheveux blancs et que je voulais pas lire et voilà, mais sincèrement, j'avais le cœur qui battait, j'étais à fond dedans, et j'adore, j'adore. Donc j'ai lu quoi, 185 pages, c'est un roman assez court parce qu'il fait moins de 300 pages, donc j'ai dépassé largement la moitié. Mais je me régale, je retrouve tout ce qui fonctionnait bien dans le premier volume. Là, on est dans une ambiance qui fera merveille pour le Cold Winter Challenge si vous cherchez une lecture pour frissonner sous la neige. Clairement, on tient un truc et il me tarde de le terminer. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Sinon, dans un souci d'exhaustivité, il faut quand même que je mentionne le livre audio dans lequel je me suis plongée. Et c'est mon premier livre audio en anglais. Mais quand je l'ai vu passer, je sais plus trop comment, je crois que c'était sur Instagram, je me suis dit, il me le faut, c'est juste parfait pour l'automne, pour la semaine d'Halloween. Il est pas très très long en plus, je crois qu'il dure 2h30, quelque chose comme ça, donc ça va assez vite. Et il s'agit de What the Hex, qui est une création audible originale par l'auteur à qui on doit You Had Me at Hola. Je me souviens plus de son nom, mais vous, de toute façon, vous aurez les visuels. Qui était une rom-com latino-américaine qui m'attire depuis des années, mais que j'ai toujours pas acheté. Et là, je me suis dit, bah c'est l'occasion, c'est un truc exclusif. Et en gros, What the Hex, comme le laisse quand même présager le titre, est une histoire de sorcière où on va suivre Katharina, qui est une sorcière qui vient d'une île de magiciens, de puissantes familles de sorcières latino, pas très loin des côtes de Miami. Et à l'occasion du mariage de sa sœur, elle va devoir retourner chez elle pour y assister. Sauf que quand elle va débarquer, elle va se rendre compte que toute sa famille est un petit peu bizarre et surtout quand elle va serrer la main du marié, elle va se rendre compte qu'il est possédé par un puissant démon qui a soif du pouvoir qui sera sien en alliant deux puissantes familles par ce mariage et en prenant possession du corps du fiancé. Et Katharina va se dire « Ok, faut que je fasse quelque chose », sauf que il y a quelques années j'ai fait un burn-out magique, donc mes pouvoirs, je peux plus m'en servir, super. Et bah, son seul recours, ça va être son ami d'enfance, qui n'est pas vraiment son ami d'enfance parce qu'en gros c'était plutôt la personne avec qui elle était en compétition pendant toute sa scolarité, qu'elle voulait battre à tout prix. C'était vraiment son objectif ultime à l'époque. C'est son némésis. Et bien entendu, c'est le seul qui n'est pas sous cette étrange malédiction. Ils vont devoir s'associer et je me régale. L'anglais est très accessible. Alors c'est un livre qui mélange habilement les codes magiques, parfait pour Halloween, et la romance un peu chaude. C'est-à-dire qu'il y a des scènes de sexe, il y a des gros mots, on parle beaucoup du corps, voilà. C'est sulfureux, mais franchement, je passe un excellent moment. Je dis pas que c'est la lecture de l'année parce que c'est convenu, mais mélanger les sorcières et le côté un peu spicy d'une romance bien chaude, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup. Donc c'est pas à mettre entre toutes les mains non, puisque c'est de toute façon pas une version physique, mais à ne pas glisser dans toutes les oreilles. Mais si ça peut être votre truc, c'est très cool et je suis une fois de plus enchantée de l'avoir sélectionné pour Halloween.
Et sur ces bonnes paroles, je vais profiter de ce dernier sursaut d'énergie avant la lente dégringolade liée à l'insomnie pour travailler, pour essayer d'abattre le maximum de travail ce matin tant que je serai encore à peu près alerte, parce que la force de l'habitude me fait dire que passé l'heure du déjeuner, je serai plus bonne à rien, je vais juste avoir froid, les yeux qui se croisent, donc ce matin, c'est maintenant ou jamais pour bosser à fond. Donc je vous fais plein de bisous. Pas sûr que je vous reprenne aujourd'hui, à mon avis je vous retrouverai demain pour clôturer ce vlog, j'espère pour vous donner mon avis final sur cette petite chose, et puis en attendant je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao! Hey, je vous retrouve dimanche 31 octobre, donc officiellement joyeux Halloween. J'espère que vous allez en profiter comme il se doit, que vous avez des plans sympas, qui vous enthousiasment. Moi ça va être dimanche soir tranquille à la maison, on avait un projet de soirée mais on n'y va pas parce que petite forme, donc on préfère se la jouer tranquille. Et je viens gentiment clôturer ce vlog parce que je vous ai pas récupéré hier. Je vous ai mis quelques plans puisque j'ai enfin fait ma pumpkin pie et elle n'a aucune gueule, c'est-à-dire que sur la recette que j'avais trouvée en ligne, il suggérait de saupoudrer une partie du sucre et du beurre de la recette pour essayer de créer un effet un peu caramélisé, une croûte un peu sur le dessus, qui n'a pas du tout caramélisé dans mon four, ça a juste fait des pâtes, de la pâte, comme du sel séché sur un rocher si vous voulez. Mais pour autant, même si elle n'a aucune tête, qu'elle a gonflé à la cuisson pour se raplatir, se ratatiner un peu après, elle est hyper bonne, donc je suis assez satisfaite. C'était la première fois que j'en mangeais et ce mélange d'épices fonctionne merveilleusement, donc j'ai bien l'intention d'en refaire au fil des saisons. Et puis sinon, niveau lecture, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? J'ai terminé d'écouter What the Hex de Alexis Daria, qui était au demeurant une excellente lecture, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Si vous voulez, c'est un peu une ambiance telenovela, c'est un peu un téléfilm que vous pouvez trouver sur M6 pendant la période d'Halloween parce que ça fonctionne bien, ça casse pas trois pattes à un canard et tout est plutôt convenu, mais j'ai beaucoup apprécié cette dimension de questionner le burn-out, de questionner la façon dont on veut se construire, dont on veut chercher parfois l'affection de sa famille, de ses proches, de la reconnaissance. Donc c'était intéressant, c'était divertissant, ça mêlait habilement la magie, la romance un peu hot, le tout avec une ambiance latino-américaine, bref, ça a fonctionné avec moi et je ne regrette pas le moins du monde mon achat. Et d'ailleurs, en parlant d'achat que je ne regrette pas, il faut quand même que je termine ce vlog d'Halloween avec mon meilleur investissement, ma meilleure découverte Halloweenesque de l'année. C'est-à-dire que l'année dernière, en me baladant sur le e-shop de Nintendo Switch, j'avais repéré plusieurs petites choses qui pouvaient me plaire, mais la période d'Halloween étant passée, je m'étais dit c'est pas grave, je me les garde sous le coude pour l'année prochaine. Je suis retournée dans ma wishlist et il y en avait un qui était à moins 50% et vraiment qui m'avait un peu hantée tout au long de l'année 2021 écoulée, et il s'agit de Pumpkin Jack. Donc ni une ni deux, je l'ai téléchargé, je l'ai acheté et j'ai commencé à jouer.
et Mazette, Laissez tomber, c'est fabuleusement bien. En gros, dans ce jeu vidéo, vous incarnez un sorcier qui a été banni par le diable il y a de ça des siècles parce qu'il faisait entourloupe sur entourloupe dans le monde des enfers et le diable s'y est laissé prendre à plusieurs reprises. Et comme le mec a quand même un gros problème d'ego, il s'est dit « Toi, mon gars, tu me l'as fait à l'envers, non pas une, non pas deux, mais trois fois. Vas-y, je veux plus te voir. » Sauf que dans le royaume des humains, tout est beau, tout est paisible, tout est tranquille, le diable, encore lui, s'ennuie et il se dit « Oh, on va aller foutre un peu le bordel, je vais envoyer toutes mes hordes démoniaques, histoire de raser un peu tout, histoire de défoncer les humains et de mettre un peu de piment parce que bordel, on s'ennuie. » Et il a tellement bien réussi que le monde est un petit peu dévasté, et les humains, qui sont désespérés, n'ont plus qu'à utiliser en dernier recours un sorcier très puissant qui pourrait peut-être les débarrasser du diable, et ce dernier se dit « Oh, bah je vais quand même envoyer quelqu'un pour faire un peu le ménage, pour essayer de zigouiller tranquillement ce sorcier qui vient aider les humains. Donc je vais envoyer le bon vieux Jack que j'avais envoyé très 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 loin, puisque quand même il est un peu retors, s'il est débrouillard, il va nous plier ça en deux temps trois mouvements et on n'en parle plus. » Donc vous incarnez ce fameux sorcier Jack qui va être mandaté par le diable. Donc on vous a trouvé un corps mort mais encore à peu près frais exploitable. On a foutu votre esprit dedans et on a mis une tête de citrouille par-dessus parce que bah il n'y avait plus de tête sur votre corps et il n'y avait que ça de dispo. Donc c'est génial parce que vous incarnez un peu le champion du diable dans un univers dévasté, empeuplé de démons, et en gros vous allez vous allier avec un corbeau qui est effrayé par un épouvantail hanté, et ça va vous permettre de démarrer comme ça une quête. Et j'adore, 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 c'est un jeu de plateforme et c'est super parce que du coup vous avez des niveaux hyper différents d'un moment à l'autre. Vous attaquez dans un marais, vous enchaînez avec une ville fortifiée explosée par les bombes et les bombardements perpétuels, et vous avez comme ça plein 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 d'ambiance. Et c'est génial, il y a des petits niveaux où vous devez vous arracher la tête pour que cette citrouille avec ses petites racines puisse vous transporter pour aller atteindre des trucs qui sont inatteignables et pouvoir débloquer votre chemin. Bref, c'est trop bien, je me régale. C'est peint sans rire, immersif, les musiques d'Halloween sont topissime, et il y a des moments où vous êtes sur un cheval fantôme pour poursuivre des malfrats qui vous ont escroqué. Parfois vous faites des courses de chariots en bois avec des gardes de château fort qui essaient d'arriver à l'autre point de ralliement avant vous pour prévenir leurs collègues. C'est inventif, on s'ennuie pas. La difficulté est bien dosée parce que c'est pas insurmontable, mais vous avez quand même des petits moments où vous en chiez deux secondes sans pour autant vous taper la tête de dépit parce que vous n'arrivez pas à avancer. Donc pour moi c'est parfait, ça match hyper bien, et pour le week-end d'Halloween, c'était le meilleur cadeau que je pouvais me faire. Donc si vous avez envie de rester un peu dans cette ambiance, même si ça fait une semaine que c'est passé pour vous, n'hésitez pas. C'était ma petite recommandation pour clôturer ce vlog, qui je l'espère vous aura plu, qui je l'espère n'aura pas été trop long cette fois si je m'en suis tenue à mon plan. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Moi je vous fais plein 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 de bisous, et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo qui cette fois-ci ne sera pas un vlog parce que j'ai quelques petites choses dans les tiroirs à vous proposer, donc j'espère que ça vous plaira. En attendant de vous lire dans les commentaires, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.